Bonjour et bienvenue sur Riche Ensemble. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat. Je partage mes idées, comment j'investis, dans quoi est-ce que j'investis. Alors si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. Merci également à tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de blockchain, je voudrais parler des crypto-monnaies. Pourquoi je parle de ça? Ça devient courant d'entendre parler de crypto-monnaies, de Bitcoin et de toutes les autres choses que vous connaissez. Et aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont ouvertes au Bitcoin. Par exemple, Amazon a décidé que désormais, on pourra acheter sur son site avec le Bitcoin. Donc, c'est ce qui m'a poussé aussi à investir un peu d'argent dans le Bitcoin parce que lorsque les gens parlent beaucoup d'une chose, ça devient intéressant. Les analystes sont positifs sur le Bitcoin et je me dis que certainement ça pourra marcher dans le futur. Donc, pour moi, je préfère me lancer maintenant. Donc, c'est ce que j'ai fait et je n'ai pas mis une très grosse somme d'argent dedans parce que ça reste des investissements quand même à beaucoup de risques, mais je mets un peu d'argent, on ne sait jamais. Et je rappelle aussi que les sociétés, même comme Amazon, qui aujourd'hui sont très grandes, autrefois elles étaient très petites. L'action d'Amazon qui coûte aujourd'hui 3 000 euros a coûté 17 autres fois. Il y avait certains qui avaient peur, d'autres se sont lancés. Et aujourd'hui, ceux qui se sont lancés dès le départ ont eu beaucoup de gains. Donc, on ne peut pas devenir riche sans prendre des risques. C'est des choses qu'il faut savoir. Celui qui veut devenir riche est obligé à un moment de prendre des risques. C'est vrai qu'il faut calculer les risques, mais à un moment, il faut prendre des risques. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans le Bitcoin, j'ai investi dans Ethereum, et on verra. Je suis pas sûr que ça marche toujours, mais de plus en plus convaincu parce qu'on en parle, ça devient le sujet de tous les débats, et je me suis dit, je me positionne quand même, on ne sait jamais. Mais l'investissement que je fais, je suis prêt à perdre aussi. Et c'est ce que je te conseille aussi. Si tu veux faire un investissement, n'investis que la somme que tu es prêt à perdre. Parce que ça reste un investissement à grand risque quand même. Alors, je rappelle toujours que je ne suis pas un conseiller financier. Donc, ici, je ne partage que mon expérience, que mon avis. Et à toi de voir si tu veux investir dans une société ou bien dans une des choses dont je parle. Pour ceux qui sont sceptiques aux crypto-monnaies et qui sont plutôt fans de la blockchain, il y a une action qui coûte aujourd'hui vraiment moins cher. Je pense qu'elle est aujourd'hui à 2 euros. C'est Hive Blockchain Tech. J'ai aussi investi dans cette société et là, je me positionne vraiment au début. L'action coûte aujourd'hui 2 euros seulement. Donc, pour quelqu'un qui a 100 euros par exemple et qui veut tester, pourquoi pas? Avec 100 euros, qu'est-ce qu'on fait? On va manger 2 fois au restaurant et c'est terminé. On peut aussi tester quelque chose, on peut aussi investir dans un truc dont on croit au futur et on peut voir ce que ça donne dans le futur. Donc, c'est ce que je fais et c'est ce que je conseille aussi de faire, de toujours investir, de ne pas laisser l'argent en banque, mais investir parce que là, on obtient beaucoup plus de son investissement. Mais toujours aussi, c'est important de rappeler qu'il faut diversifier ses investissements. Donc, ne pas investir dans une seule chose, mais investir dans plusieurs choses. Ne pas investir uniquement en bourse. C'est vrai que j'investis à grande partie dans la bourse, mais ce n'est pas la seule chose dans laquelle il faut investir. Il faut regarder d'autres choses aussi. Donc, lancez-vous, essayez de voir si ça vous intéresse et lancez-vous. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous ai parlé des autres investissements que j'ai faits, peut-être un peu plus tard, parce que je vais parler, par exemple, de Google dans lequel j'ai investi. Et aujourd'hui, je vous ai parlé peut-être tard, mais aujourd'hui, je vous dis les choses au début, au moment où j'entre et aussi. Donc, celui qui est intéressé et qui est prêt pour l'aventure peut se lancer et on verra la suite si on avait, dans le futur, si on avait raison ou pas. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci d'avoir écouté. Merci de partager mon message avec les autres. Et aussi de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne pour que la chaîne puisse grandir et que la communauté grandisse également. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.